Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons pâle, qui sera consacré au deuxième épisode de Préhistorique Planète. Alors, nous retrouvons ici donc nos camarades ici présents, à savoir, à tour de rôle, nous avons donc Nico Wild. Salut, c'est moi. Nous retrouvons également Simon de la chaîne Fauna Studium, aussi appelé Venator. Bonjour, c'est moi. Et enfin, nous avons donc aussi Karcha Nocif. Ils étaient obligés, sinon on faisait pas le podcast. Waouh. Et nous avons, pour terminer, FL Reptile. Le meilleur pour la fin, non ? C'est ça qu'on dit. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Pas la moitié d'un con, attention. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du deuxième épisode de Préhistoric Planète, après justement avoir parlé du premier alors qu'on découvrait la série. Donc le deuxième épisode qui se nomme... rappelle-nous, Nico, comment s'appelle ce deuxième épisode ? Eh bien, selon les dires de David Attenborough et de à peu près tout le monde, il s'agit du désert. Et selon tes dires à toi dans le dernier épisode, le dessert. C'est vrai que j'avais dit ça, je ne m'en souvenais plus. Mais oui, c'est vrai. On va voir si ça a été un bon dessert pour vous. Je vais juste vous demander, à tour de rôle... votre avis général sur cet épisode, est-ce que vous, par rapport au premier surtout, est-ce que c'était pareil, c'est-à-dire en rappelant justement si vous aviez aimé le premier ou pas, est-ce que vous l'avez trouvé mieux, est-ce que vous l'avez trouvé dans la même continuité, peut-être moins bien, brièvement, en termes de ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Par exemple, Karcha, qu'en as-tu pensé ? Alors, pour petit rappel, moi, le premier épisode, je l'avais moyennement aimé. Je trouvais que c'était pas mal sans plus. Là, celui-là, je l'ai moins aimé, pour différentes raisons que j'expliquerai au cours du podcast. Mais pour moi, il est beaucoup moins bien que le premier, parce que déjà, les espèces qu'on voit, j'ai plus l'habitude de les voir. Du coup, il y avait moins cet effet un peu waouh de voir des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir sur grand écran. Et parce que aussi, il y a encore plus d'erreurs dans le premier, et que à un moment donné, il faut sévir. C'est d'un point de vue qui est ma foi tout à fait compréhensible. Es-tu d'accord, Nico, par exemple ? Relativement d'accord, en effet. Dans ce document, personnellement, je trouve que c'est le pire épisode de la série pour moi, parce qu'il y a le plus d'incohérences. C'est là qu'on en voit le plus. Et je suis quand même vachement branché Océan, du coup le premier épisode ça m'a quand même déjà plus parlé, plus émerveillé que celui-là. Là il y a des trucs... C'est ma foi tout à fait compréhensible, effectivement, si t'as plus d'affect avec le milieu océanique, marin, évidemment que si on transitionne sur le désert, c'est vrai que c'est radicalement différent. Je sais que, Simon, tu aimes beaucoup les océans aussi, mais est-ce que c'est cet aspect-là qui t'a refroidi ou est-ce que ça aurait été d'autres choses, peut-être ? J'aurais du mal à départager entre le premier et le deuxième pour savoir lequel est objectivement le meilleur. J'ai préféré le premier, même s'ils ont massacré les ammonites, qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui n'allaient pas. Dans ce deuxième épisode, il y a pas mal de petits problèmes que j'ai moins aimé, mais d'un côté, il y a autant de trucs qui vont pas que de trucs qui vont bien par rapport au premier épisode. Je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est un ressenti qui est assez partagé jusqu'à présent, en tout cas. Raphaël, es-tu d'accord avec ce qui a été dit pour l'instant ? Moi, j'ai préféré aussi le premier épisode parce qu'il y a des mosasaures et que c'était globalement pas mal, même si ça aurait quand même pu être encore mieux. Allez voir le premier pour plus de détails. Et sinon, alors celui-là, c'est pas celui que je trouve le pire. Pour moi, ce qui sera le pire en termes d'épisodes dans la série, ça sera pour après. Parce qu'effectivement, même si, comme dans tous les épisodes, par contre, encore une fois, niveau spéculation, quand même, il y a de la joie. Faut être honnête, là, il y a quand même, en termes de ratio de l'origine de la spéculation, est-ce que c'est une spéculation qui vient d'éléments qui sont publiés et soutenus par des travaux, ou est-ce que c'est de la spéculation qui sort juste parce que parce que c'est plausible si on regarde tel ou tel élément. Celui-là, pour moi, c'est pas le pire dans le sens où il y a quand même, en fait, pas mal d'informations dans cet épisode qui viennent de données publiées, même pour les spéculations. J'ai envie de dire, ça va, ça sera pire vraiment après où on va vraiment voir des trucs où il n'y a jamais eu d'études dessus et où ça va sortir pas d'un chapeau magique, mais on sentira
que des points de vue personnels ont été placés dans ce documentaire sans qu'ils soient étayés par la littérature scientifique, ce qui est problématique. Mais sinon, oui, c'est quand même... voilà, je reste sur la position des autres, c'est inférieur au premier épisode. Très bien, bah, c'est intéressant, parce que bah, moi, j'ai un avis bah, globalement similaire sur les constats, mais mon ressenti... j'ai préféré celui-là précédent, probablement parce qu'il me parlait plus sur certains points. J'avais aimé certaines idées de l'épisode, même si bon bah il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont un peu agacé, comme pour le premier, mais peut-être un peu plus dans celui-ci aussi. Donc c'est vrai que je saurais pas trop les départager, mais en termes de ressenti, là actuellement, je dirais que je préfère celui-là. Mais de toute façon, bah, on va pouvoir détailler un petit peu. Donc, on a pu parler donc de notre ressenti. Bah, on va quand même entrer dans le vif du sujet. C'est pour ça que nous sommes là. Étant donné que là, nous n'avons pas la découverte du documentaire, je vous propose donc d'entrer directement dans des éléments de fond, puisque la forme, bon, à moins que vous ne soyez pas d'accord, reste globalement la même. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, elle reste sympa, elle reste dans la même lignée, même si je trouve que on perd quand même un peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'en penses ? Donc, quand on parle de la forme, on est d'accord, on parle de tout ce qui est graphisme, etc. Hein. Ouais. Ouais. Alors, je trouve que y a des designs qui sont quand même beaucoup moins réussis que dans le premier, notamment le Mononychus. Et peut-être qu'il y a moins cet effet un peu de surprise que dans le premier épisode. Alors là, c'est pas de la faute du documentaire. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a vu Prehistoric Planet, on était vraiment en mode « Ah ouais, quand même, c'est vachement beau ». Là, bon, on s'habitue et peut-être qu'il y a cet effet un peu aussi, bah, ok, c'est sympa, mais là, du coup, on commence à repérer un peu plus de petits problèmes. Je comprends effectivement ce point de vue. C'est vrai que le premier avait l'avantage de nous donner cette claque et du coup, bah, forcément, bah, le deuxième, ça fait un moment, hein, pour ceux qui nous écoutent, ça fait un moment qu'on a vu le premier, on les regarde au fur et à mesure assez lentement. Donc c'est vrai qu'on a eu le temps de s'habituer au graphisme du premier épisode, juste histoire de vous recontextualiser la chose. Sachant que, si je peux peut-être ajouter quelque chose, l'aspect océanique aussi du premier épisode ajoutait à la magnificence du premier, je trouve. Là, le désert, forcément, c'est moins sexy. Ah oui, ça peut se comprendre. Moi, j'aime bien les déserts aussi, mais bon. Nous allons donc commencer par des éléments, intéressants de l'épisode, en tout cas que j'ai jugé globalement intéressants, enfin, on aura l'occasion d'en débattre, sur ce que je vais appeler l'oasis de l'épisode, hein, pour rester dans le thème, sans paraître condescendant envers le reste de l'épisode, hein. Évidemment ça reste un épisode qui est assez travaillé. Alors, évidemment je baptise ça oasis pour montrer les côtés... positif de l'épisode, sans pour autant dire que le reste est négatif, mais c'est des éléments de fond qui sont plutôt intéressants à débattre. Moi, j'aimerais bien parler du Vélociraptor qu'on voit notamment au début de l'épisode, l'un des premiers animaux à apparaître, qu'on voit marcher justement dans le désert un peu graveleux. Je voulais savoir, par exemple, qu'est-ce que vous pensiez de la représentation de cet animal ? Est-ce que vous l'avez trouvé pertinente ? Est-ce que vous l'avez trouvé même visuellement réussi ? Peut-être même sur des éléments de scientifiques, peut-être. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est un carchar. Bah, je sais pas, moi j'ai dit ça à Antonin. Je peux commencer, ça va être très rapide et je pense que Fel aura quand même beaucoup plus de choses à dire là-dessus et j'ai pas envie de répondre à toutes les questions tout le temps, pas monopoliser la parole de mes chers camarades. Mais en soi, je le trouvais sympa. Par contre, vraiment bluffé. Si c'est de la 3D, je suis vraiment bluffé par le plan de la patte du raptor. J'ai vraiment trouvé, par contre, incroyable. Le problème, c'est que on n'a pas vu la suite. Donc, je sais pas si ça va être juste être un caméo ou alors s'il va avoir une importance plus tard, le raptor. Mais je trouve que c'était vraiment là pour le mettre, histoire de dire on a un raptor. J'ai pas trouvé plus intéressant que ça. Après, bon, il est réussi. Il y a quelques petits problèmes avec la 3D, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais son comportement est sympa. Le fait de l'avoir fait solitaire et pas en meute, ouais, le parti pris intéressant. Mais pour ça, je pense que Eiffel en parlera mieux que moi. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'était une bonne réussite. Et bon, c'était bien de ne pas lui avoir donné un rôle principal dans l'épisode. Il en avait pas besoin. Je vais faire bref, parce que c'est vrai que mine de rien, on peut quand même passer un petit peu de temps là-dessus. Globalement, graphiquement, je pense qu'il est très réussi. C'est un peu similaire à mon constat sur le
sur le Mosasaur du premier épisode, je veux dire, à part un ou deux peut-être petits détails pour pinailler, mais ça, Edouard, je te laisserai en parler, parce que moi, c'est quelque chose que visuellement, j'avais pas vu, qui en fait, rien ne m'avait choqué sur l'animal, jusqu'à ce que tu m'en parles. Mais bon, là, ça relève plutôt de la conception. On va dire que scientifiquement parlant, si on reconstruirait Velociraptor, ben pour le coup, là, on a enfin, j'ai envie de dire, canonisé le Velociraptor tel que, voilà, scientifiquement, on se le représente depuis maintenant plusieurs années. Donc ça, c'est bien. Voilà, que le public peut enfin découvrir à quoi ressemble un vrai Velociraptor. Même si, bon, il y a des gens qui se sont plaints qu'il n'aurait rien eu à faire là, dans cet épisode. Que du coup, le consultant principal d'Aren Neige sur Twitter, ensuite il s'est mis à dire « Oui, mais en fait, c'est pas vraiment Velociraptor mongoliensis, c'est un Velociraptoriné, voilà, quelconque. Bon, c'est du pareil au même, de toute façon, en termes d'anatomie, voilà, il n'y a pas de... On verrait pas de différence. Voilà, c'est un Velociraptor, point barre. C'est un très beau Velociraptor. Il a de très beaux plans. Point positif, on le voit effectivement là, tenter de chasser un petit vertébré, en l'occurrence un petit lézard. Chose qui, pour les dromaeosauridés de sa taille, bah mine de rien, voilà, c'est des proies non négligeables et qui devaient quand même assez facilement avoir sous la main. Alors par contre, pour le côté, ouais, il chasse pas en meute. Là, je serais moins sympathique, contrairement à ce qu'a dit Karcha. Puisque, justement, dans les commentaires en duo, on nous dit qu'il chasse en meute. Ah, je m'en souviens pas de ça. Voilà. Donc là, voilà, Et effectivement, d'ailleurs, il est pas vraiment tout... Alors certes, ils ont pas montré, pour le coup, justement, une meute de Velociraptor qui attaque un gros dinosaure. Ça, c'est bien. Mais ils disent quand même, il chasse en meute avec la voix. Chose pour laquelle, bon, faut être honnête. Maintenant, en termes de fond scientifique, on peut plus se permettre de mettre cette hypothèse de raptor qui chasse en meute au même niveau que d'autres. On le sait maintenant grâce à des études, du coup, sur des isotopes des dents de Deinonychus, sur des dents de jeunes et d'adultes. Les signatures chimiques des dents sont différentes, ce qui indique des régimes alimentaires différents. Donc, il n'y a pas une meute au sens de la vraie meute telle qu'on l'a pensée pour les vélociraptors, c'est-à-dire des meutes similaires à, par exemple, chez les mammifères comme les lions ou les loups. Donc ça, ça tombe à l'eau. On oublie, voilà. Et faut être honnête, voilà, il y avait pas mal déjà en fait d'autres éléments en fait paléontologiques, donc qui sous-entendaient justement que bon, les raptors ne chassaient pas tant en meute que ça. Petit renvoi tout de même vers la chaîne d'Entracte Science parce qu'il avait fait un épisode en fait que sur ça et pendant l'épisode il avait montré plusieurs publications. Si jamais certains veulent aller plus loin là-dessus, mais de toute manière rapidement hein, sur sans trop se casser la tête, hein, voilà sur. Sur Google Scholar, c'est pareil, les publications se trouvent quand même assez facilement sur le sujet. C'est pas compliqué. Donc voilà, soyons clairs et nets. Pas de Velociraptor en meute, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'on en ait des preuves évidentes, j'ai envie de dire. Enfin, qu'il y ait quelque chose derrière, quoi, que ça soit pas gratuit. Parce que là, le fait que ça soit dit à l'oral, ben en fait, si, c'est complètement gratuit. Alors ok, Velociraptor n'a pas eu droit à cette étude, mais bon, Deinonychus, c'est son cousin. Quand même d'Amérique du Nord, et si on a quand même dit que Velociraptor chassait en meute, c'était justement en se basant sur Deinonychus. Donc en fait, au final, le fait d'avoir infirmé Deinonychus, bah pour le coup, ça infirme en fait tous les autres droméosaures qui chassent en meute, puisque toute cette idée de droméosaure en meute, pour toutes les autres espèces, elle était basée sur Deinonychus. Donc fin du game de ce côté-là, on peut tirer le rideau et passer à autre chose. C'est très intéressant du coup que t'en parles, parce que effectivement, moi je m'étais fait la réflexion. Parce que je me souvenais très clairement qu'il disait que le Velociraptor de Prehistoric Planet chassait en meute. Mais bah, étonnamment, j'avais bien aimé le fait que il chasse ce lézard tout seul. Il est représenté tout seul en train de traquer sa proie. Et bah, c'était vraiment bien. Et le commentaire était un peu dommage qu'il soit là. Quoi. C'est vraiment... C'était pas nécessaire à mon sens. Il suffisait juste de le laisser chasser ce petit lézard. Et puis, pas besoin, aucune ambiguïté. Il n'y avait aucun problème. Tout à fait, entièrement d'accord. Bah, perso, moi, je suis à part ça, je suis vraiment satisfait du Velociraptor. Je pense que c'est le plus beau que j'ai pu voir. Hein. Et le petit lézard est vachement bien aussi. Je pense qu'ils ont pris des prises de vue réelles pour ce lézard, sauf à certains moments. Par exemple, le lézard, il saute pour attraper l'insecte. On voit que c'est des mouvements en CGI. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils ont pris un vrai lézard pour tourner ça. J'ai beaucoup aimé les scènes du Velociraptor, elles sont très jolies.
Alors du coup, justement, pour revenir sur ça, j'ai une question pour toi, Eiffel. Est-ce que ça t'a déplu de voir un lézard actuel dans le documentaire? Là, en vrai, non. Je vais pas chipoter à ce point-là, non. C'est, j'ai envie de dire, les, de toute façon... Enfin, s'il lui avait mis, en fait, le nom, ils avaient nommé ça comme une espèce, justement, mésozoïque, là, oui. Mais en fait, le fait que, voilà, il est pas du tout... Il était vraiment là parce que, ben voilà, fallait montrer ce que, voilà, ce que Vélociraptor pouvait manger, puis il fallait faire un petit, aussi un peu de comique, hein, parce qu'il était un peu là pour le comique, on va pas se leurrer quand on voit... quand il va sur les Tarbosaures et tout. Donc voilà. Pour ces raisons-là, non, ça me dérange pas. Ok. J'ai bien aimé les yeux de rapace. Est-ce que vous avez vu le petit aparté du documentaire, enfin, les suppléments du documentaire sur Velociraptor? Parce que dedans, il parle des plumes sur les pattes avant. Je l'ai pas vu, sûr. Bah alors oui, non, mais ça, c'est très très connu. Donc, pour faire très rapidement, donc sur Velociraptor, il a un os de son avant-bras, c'est l'ulna. Il y a des petits tubercules, donc ça fait des petites bosses en fait dessus. Et donc, ce sont des zones en fait qu'on sait d'insertion pour des plumes généralement d'assez grande taille. Alors après, l'absence de ces bosses, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de plumes, parce qu'on sait chez des oiseaux actuels, vous prenez par exemple les flamants roses. Les flamants roses, voilà, ils ont toute la batterie de plumes bien développées, notamment des rémiges sur les ailes, pour pouvoir voler. Mais si vous regardez leur ulna, il n'y a aucune trace en fait, d'insertion. Donc c'est assez inégal, hein. Il y a des oiseaux qui n'en ont pas et qui ont quand même les grandes plumes. Bon, par contre, s'il y en a, ça veut forcément dire qu'il y a des plumes. Donc voilà, juste sur ce point-là, c'est bien. Mais alors Venator, je vais juste rebondir un tout petit peu, après je relaisse la parole. Parce que voilà, en termes de plumes et de droméosaures, dans les reconstitutions, justement, depuis qu'on met des plumes à Vélociraptor et à d'autres droméosaures, et notamment depuis qu'il y a eu cette découverte de cette ulna, il faut savoir qu'il y a quand même eu pendant un long moment, il y a eu une espèce de triste tendance dans les reconstitutions. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attristé. C'est qu'en fait, on représentait à chaque fois le plumage de tous les droméosaures de la même façon. Vous preniez Velociraptor, Deinonychus, Dakotaraptor, Dromaeosaurus, même ceux de chez nous, hein, Pyroraptor, Variraptor. Enfin bref, prenez n'importe quel droméosaure, ils étaient tout le temps dessinés avec à 99,9% le même plumage en fait. C'est-à-dire que voilà, pareil, les avant-bras, ben, tous avec de grandes plumes bien développées qui faisaient voilà, ce qui semble être des ailes du cou. Pareil, la queue, beaucoup de plumes sur tous les côtés de la queue, très développées. Le corps quasiment intégralement recouvert de plumes. Enfin bref, il y avait très peu. Les variations se limitaient à chaque fois à la couleur, éventuellement à la présence de crêtes à l'arrière du crâne, de crêtes plumées plus ou moins développées. Donc c'était vraiment, c'était assez triste en fait, quand ça s'est répandu, qu'on a commencé à se dire « ouais, en fait, ils ont des plumes », mais en fait, il y a eu justement une perte de diversité, paradoxalement, dans les représentations des droméosaures. Et c'est que, assez récemment, ça a dû s'amorcer de tête, hein, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je fais ça à la louche, hein, mais on a commencé à avoir un peu plus de diversité en fait dans le plumage des droméosaures qui sont reconstitués. Ça, pour moi, c'est important, puisque si on se base... Sur les oiseaux actuels, on voit bien que les oiseaux actuels, il y a quand même une incroyable diversité dans le plumage. C'est fantastique ce qui se passe. Et là, on commence à peine à y réfléchir chez les droméosaures, en fait. On commence à peine à le voir, en fait, dans les reconstitutions artistiques. Et ça, ça commence enfin à être intéressant. À titre d'exemple, je terminerai là-dessus. Donc là, au Muséum à Toulon, là où je travaille, donc on a une maquette de Variraptor. Et moi, c'est quelque chose que je dis des fois aux gens et que je trouve qui est très bien. C'est qu'en fait, sur ses avant-bras, certes, on lui a fait quand même des plumes un peu développées, mais on ne lui a pas fait toute une batterie de plumes ultra développées qui font comme s'il avait, en fait, voilà, des ailes, quoi, comme les oiseaux de maintenant, quoi. Chose qu'on retrouve, par exemple, qui est quasiment tout le temps dessinée sur Velociraptor. Mais là, nous, sur notre Variraptor, ça, on ne l'a pas fait. Et moi, je trouve que c'est super cool. Bon, alors déjà, parce que ben, notre Variraptor, on a une ulna, et sur l'ulna, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de tubercule. Alors après, encore une fois, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y avait des plumes, mais justement, peut-être qu'il y en avait, mais qu'elles n'étaient pas autant développées. Et donc moi, j'aime bien le côté que, par exemple, voilà, sur la maquette qu'on a au musée, les plumes de son avant-bras sont présentes, mais ça ne va pas jusqu'à former une aile.
Par contre, c'est des plumes qui seraient suffisantes pour, par exemple, qu'ils puissent faire une parade amoureuse ou qu'ils puissent, selon comment ils les orientent ou les agitent, faire passer des messages. Par exemple, je suis en colère, m'approche pas. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, il y a une reprise de diversité dans le plumage des droméosaures qui est en train d'arriver. Dans Préhistorique Planète, on en parlera plus tard quand il y aura eu plusieurs autres épisodes avec d'autres animaux. On verra si ils ont respecté ça. Et toujours à propos de ça, qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'ils ont donné aux plumes? Encore une fois, désolé, dans l'aparté, dans le complément du documentaire, pour permettre de contrôler leur chute, pour descendre des falaises escarpées ou des terrains de ce genre. Alors, ce que je veux en dire, c'est que c'est pas le bon épisode, Venator. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. La Comnico, faut faire attention parce que le bonus en question, c'est pas un bonus pour l'épisode, c'est un bonus pour la bestiole là pour le coup. Or, l'animal, pour le coup, le Velociraptor apparaît dans plusieurs épisodes. Donc, je pense que là, Venator, on va arrêter de parler du bonus. En fait. Ah oui, bah, j'ai cru que c'était celui de l'épisode là. Désolé. On te retirera tes royalties, Venator, c'est pas grave. Déjà qu'il y en a pas. Voilà, ça me semble tout pour Velociraptor. Moi personnellement, je l'ai bien aimé, voilà, il est sympathique. J'ai quelques petits problèmes avec la 3D parce que moi je trouve que les défauts de la 3D sur des plumages, ça se voit vraiment de loin. Et moi j'ai beaucoup de mal avec les bases des coups des animaux, surtout avec les plumes qui rentrent dans le corps. C'est pas très flagrant sur le Velociraptor, c'est plus flagrant sur le Mononychus qu'on voit plus loin dans l'épisode. Mais bon, voilà, c'est du chipotage, ça reste un docu-fiction. Pour le travail qu'ils ont fait, franchement, c'est vraiment très décent, il n'y a aucun problème. Bien, c'est à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, nous pouvons passer à la suite. J'ai rien à rajouter. J'avais pensé, justement, pour rester dans le thème de l'oasis de l'épisode, je voulais parler, justement, de la scène du point d'eau, en particulier, lorsque beaucoup d'animaux herbivores, végétariens, bref... pas prédateurs, sont concentrés autour d'un point d'eau comme ça tous ensemble. Et puis y a un tarbosaure qui apparaît derrière une dune. Et la musique très très investie dans le documentaire, dirons-nous, nous offre une grande marche de l'animal pour descendre la dune, arriver jusqu'au point d'eau avec les animaux qui s'écartent progressivement. Pour qu'on se rende compte que finalement, les gens qui ne l'avaient pas deviné, se rendent compte qu'en fait, l'animal n'était pas venu pour manger tous les animaux du point d'eau. Mais non, il était bien venu, lui aussi, s'abreuver. C'est une scène que j'ai particulièrement bien aimée, notamment parce que l'absence de commentaires durant la descente m'a plongé dans une légère immersion. Ça m'a vraiment un peu capté. Les mouvements de l'animal, j'ai vraiment bien aimé. Le fait que les animaux s'écartent progressivement au cas où, on ne sait jamais, c'était vraiment quelque chose que j'avais bien apprécié, même d'un point de vue visuel, travail de la mise en scène, etc. C'était vraiment... ça m'avait vraiment beaucoup plu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous par exemple, Nico, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène? Justement, je voulais en parler de cette scène. Ce qui est bien, c'est que c'est ce que tu lis dans mes pensées. Cette scène, c'est un peu comme ce que j'avais dit pour le papa T-Rex du dernier épisode. Ça bouscule l'idée des dinosaures de type Jurassic Park ou les dents tranchantes du petit dinosaure. Finalement, les prédateurs, c'est des animaux comme les autres. C'est pas juste des monstres assoiffés de sang qui veulent attaquer absolument tout ce qu'ils voient tant que c'est vivant, tu vois. Non, là, il est juste là. Dit où. Limite, il y a un chat, vous voyez, pour ceux qui jouent à Roblox, il dit « Wow, juste allez boire, écartez-vous un peu si vous voulez, mais je veux juste de l'eau, je veux pas vous manger. » Voilà, c'est implicite, c'est une espèce de règle tacite, l'eau c'est sacré, herbivore comme carnivore en ont besoin. Des scènes comme ça de paix des points d'eau, comme j'appelle, comme on peut en voir dans le livre de la jungle, par exemple, ou dans la colo du Crétacé... deuxième saison. C'est des scènes magnifiques qui montrent que c'est des animaux et comment ils vivent. Ça rajoute, comme tu as dit Edouard, une sacrée immersion. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette scène. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nico, sur ce que tu as dit. C'est vrai que là-dessus, on a le même ressenti. Le fait que justement, ils soient portrayés plus comme des animaux que comme des machines de guerre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Karcha, peut-être? Est-ce que tu serais d'accord justement avec ça? Alors, il y a peut-être un truc où je suis pas tout à fait d'accord, c'est pour moi, Jurassic Park déjà cassait cette idée des carnivores qui ne pensaient qu'à manger. C'était déjà assez bien fait.
Après, la scène est vraiment, elle est vraiment beaucoup trop cool. C'est ma scène préférée pour l'instant, alors que c'est mon épisode que j'aime le moins. Hein. Voyez la cohérence de l'homme. Mais non, vraiment, tout est bien fait. Et encore une fois, ça fait plaisir quand il n'y a pas de parole, quand on nous prend pas pour des débiles. Et même si, bon, comme vous l'avez dit, hein, c'est assez prévisible, on sait ce qui va se passer. Bah, t'es quand même pris dans l'action, ça fait plaisir, et bah, c'est bien représenté, c'est comme ça que ça se passait certainement à l'époque, et le Tarbosaur avait aucune raison d'attaquer tout ce qu'il y avait autour de lui, parce que déjà, il était en sous-nombre, et en plus de ça, bah, il a déjà mangé avant, c'est montré avant qu'il a déjà devant une carcasse, donc il va pas en plus remanger quelque chose derrière. Donc ouais, non, je suis pas d'accord sur le fait que ça casse tes idées reçues, parce que pour moi, elles étaient déjà cassées, contrairement au T-Rex. T-Rex était encore quand même assez présent. Là, le fait que les carnivores se comportaient comme des animaux normaux, c'était déjà un peu passé dans l'esprit des gens. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une piqûre de rappel là-dessus. Donc pour moi, ça reste la meilleure scène de l'épisode, mais c'est pas une révolution, quoi. C'est ok, c'est sympa. Edouard, j'allais juste te dire que je suis pas d'accord avec vous pour le coup. Moi, c'est une des scènes que j'aime le moins de l'épisode et qui m'a complètement sorti de l'épisode. Ah, c'est intéressant. Et pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, c'est ultra anthropomorphisé dans le sens où littéralement, il y avait un côté entre la musique, la façon dont c'est filmé et la façon aussi dont les animaux interagissent entre eux. C'est absolument pas naturel, c'est western. C'est le western, c'est là, vous avez le peuple, c'était donc les dinosaures herbivores qui étaient tranquillement en train de boire, et là vous avez donc une gâchette redoutée du western qui arrive, et là, le peuple s'écarte. C'est typiquement ça, c'est absolument pas naturel. Vous voulez voir des animaux qui se comportent, comment ils se comportent, voilà, quand il y a un carnivore qui arrive au niveau d'un point d'eau, c'est pas compliqué, let's go. Les documentaires d'Afrique, vous verrez, c'est absolument pas organisé comme ça, ça ne bouge absolument pas comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant du coup de voir, d'entendre. Est-ce que tu pourrais préciser justement ce qui se passe dans ce genre de contexte avec des animaux actuels ? Bah, c'est pas compliqué, Il y a de la variation, mais grosso modo, quand vous avez par exemple la lionne qui va venir boire un point d'eau, certes, autour d'elle, il y a là où elle va, s'il y avait par exemple des zèbres ou des gnous ou des gazelles, ce que vous voulez, certes, ça s'écarte, mais ce que je veux dire, ça s'écarte pas comme dans le documentaire. Là, pour le coup, il y avait vraiment le côté et d'honneur, attention à sa seigneurie Tarbosaur, la redoutable. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'était vraiment très forcé, c'était trop cinéma, en fait, justement. C'était pas naturel. Quand les carnivores boivent, des herbivores peuvent absolument boire à côté. Il y a des codes, justement, notamment par exemple, chez les félins actuellement, et pas que, hein, je veux dire, les prédateurs ont, entre guillemets, donc des codes. Les félins, par exemple, il y a la posture de la queue, quand ils marchent devant des fois des herbivores. Chez les crocodiles, justement, bah, y a pareil, hein, un crocodile qui est sur la berge, gueule ouverte, qui ne fait pas ça pour réguler la chaleur au passage. Justement, pareil, ça c'est un signe que voilà, chill. Les carnivores ont des postures, justement, qui permettent d'indiquer aux proies potentielles, là ça va, t'inquiète. Là, le truc, c'est que du coup, bah, vous pouvez voir, alors, il y a une distance de sécurité, attention, c'est sûr. Je dis pas qu'ils sont copains, ils se font dégâter. Mais, je veux dire, c'est pas l'écartement qu'il y a, c'est pas poussé à l'extrême. Là, ils ont fait bouger, encore une fois, les animaux comme des humains. Pas justement comme des animaux. Et ça, pour moi, c'est raté. Voilà, ça, c'est pas pardonnable. Cette scène n'est pas pardonnable. Ok, on peut l'aimer. Voilà, on peut l'aimer, mais elle est pas scientifique. Elle est pas correcte. D'accord, je comprends ton point de vue parce que c'est vrai que moi j'avais aucune connaissance de ça. Moi personnellement, elle m'avait vraiment bien plongé dans l'ambiance et bah justement avait quand même peut-être fait bien passer le message que quand il va boire, il va peut-être pas manger tout ce qui est à côté. C'est vrai que bah vu comme ça, oui, c'est vrai que c'est assez forcé et que la comparaison avec le western avec la gâchette qui entre dans le saloon, oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça. J'avais pas analysé ça sous cet angle, mais c'est assez intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à propos de cette scène ? Non, juste que peut-être que le documentaire assumait pleinement d'être un docu-fiction à ce moment-là. Pour moi, voilà, les explications d'Eiffel sont cool.
Et d'un point de vue cinématographique, je trouve que ça fait quand même bien le taf. Et voilà, c'était, ça faisait au moins une scène où il n'y avait pas de parole et c'était du contemplatif. Donc moi, quand David Attenborough se tait, je suis content. Ah, ça, je suis d'accord, ouais, la contemplation, elle y était. Après, voilà, encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu justement, que c'était pas bien jusqu'au bout. Ça, maintenant, je suis d'accord. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect-là et ça fait du bien de le revoir en tête. Merci, Eiffel. C'est vrai que là-dessus, je suis d'accord, hein. Après, le docu-fiction, dans l'ensemble, il se veut montrer quand même beaucoup de comportements imaginés. Mais ce que je trouvais charmant dans cette scène-là, peut-être par rapport à ce dont on va parler ensuite, c'est que justement, il y avait un moyen de vendre du rêve avec la narration, avec un peu de scénographie et de mise en scène, sans faire de la spéculation abusive. Et justement, c'est ce dont on va parler maintenant. Parce que là, les animaux dont on va parler, puisque tous des animaux, ils sont victimes du même phénomène systémique, à savoir que leur comportement, leur manière de vivre et même leur apparence sont très très spéculatives. Ce sont des spéculations qui sont très osées hein, pour certaines, hein, voilà. Bon, on va commencer par le premier qu'on voit dans l'épisode. Hein. Donc, le premier animal victime de toutes ces spéculations, c'est le Dreadnoughtus. Alors, pour vous resituer la scène, donc le Dreadnoughtus arrive, il me semble, dès le début de l'épisode, sur une petite musique fort sympathique, hein, qui rappellera les plus grands blockbusters hollywoodiens. On les voit arriver, etc., tous ensemble. Donc, il me semble que c'est une horde de mâles qui arrivent, voilà, tous ensemble, qui doivent être mises en confrontation avec le challenger du groupe du harem qu'ils rejoignent. Enfin, pas le challenger, hein, le gars qui, justement, a cette position. Le big boss. S'ensuit, du coup, un. Ouais, voilà, c'est ça, le boss. Le gros boss, quoi. En plus, c'est une musique de boss qu'il a, hein. C'est vraiment une musique de gros boss. S'ensuit donc un combat que j'ai trouvé assez surréaliste, mais ça on pourra en parler, hein, voilà, qui se termine par la mort du mâle qui était en position du coup depuis 2 semaines, il me semble, et du coup la victoire du challenger. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en scène du Dreadnoughtus à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi je parle notamment de sa caractéristique visuelle, à savoir les sacs gulaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa stratégie de reproduction également? Et même du combat en lui-même, est-ce que vous l'avez... est-ce qu'il vous a un peu... peut-être comme moi, je vous dis mon ressenti, ça m'a un peu sorti du truc. Parce que je ne croyais pas vraiment à ce que je voyais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par exemple, justement, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce combat? Je le trouve surréaliste. Il y a trop de spéculations, encore une fois. J'avais déjà vu pas mal de représentations paléo-artistiques avec ce genre de sac aérien sous le coup de certains sauropodes. Et je me demandais d'où est-ce que ça pouvait venir. Je sais pas trop exactement, peut-être que vous pourrez y répondre. Et j'ai l'impression que c'est très spéculatif et que ça part d'une théorie un petit peu foireuse. Sinon, le combat en lui-même, j'ai réussi à m'y faire, à ces fameux sacs aériens qui se gonflent et qui leur permettent dans ce documentaire de parader, tout simplement. Ça fait des bruits sourds, ça se gonfle et ça se dégonfle tout le long du cou des Dreadnoughtus. Et le combat en lui-même, il aurait été bien si les sauropodes se seraient pas mis sur deux pattes, sur leurs deux pattes arrière. Parce que on sait maintenant que ce genre de sauropodes peuvent pas faire effectuer ce genre de mouvement, peuvent pas se mettre sur leurs pattes arrière, ça serait absolument insoutenable. Et en plus de ça, quand ils se reposent sur leurs pattes avant, c'est violent, quoi. Ça leur aurait simplement brisé les os. Il y a trop de trucs qui vont pas dans ce combat. Et je pense que c'est pour moi la pire scène de cet épisode. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment la scène qui m'a le plus choqué, en tout cas au premier visionnage. Quel dommage qu'on commence par celle-là d'ailleurs, elle m'a vraiment mis dans l'ambiance pour les suivantes. Les scènes de début, on la remarque au fil des épisodes, en général c'est la pire. La dernière fois c'est le T-Rex, là c'est le Dreadnoughtus.
Oh, la dernière fois, c'était plus les ammonites pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. ça dépend vraiment du ressenti. Est-ce que quelqu'un, justement, a quelque chose à rajouter, peut-être dans le fond de ce qu'est Dreadnoughtus, ce qu'il a fait dans cet épisode, peut-être. Parce que c'est vrai que moi, franchement, j'ai cette scène, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'une des pires. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très clairement, pour moi, c'est la pire. Aussi bien d'un point de vue scientifique que cinématographique. La musique est ridicule. En fait, tout est nanar. J'ai l'impression de voir un gros nanar. Même Samurai Cop, pour moi, c'est un moins gros nanar que ce truc-là. Pour dire. Ah ouais. J'ai pas compris le principe de cette scène-là. À part que David Attenborough raconte des conneries toutes les deux secondes. Pourquoi il se donne des coups. En fait, on dirait limite des boxeurs quand ils se battent. Mais des boxeurs qui battent sous l'eau. Il met vraiment des coups de patte dans le bide à deux à l'heure. Après, il se fout des coups de tête. Après, il se morde. Vois pas. Il gonfle les sacs aériens. Le bruit, il est ridicule. Il est ridicule. La musique est ridicule. La scène est ridicule. Et après, il te dit oui, c'est un KO. Ouais, merci. On est dans un ring de boxe. T'aurais pu dire qu'il était mort là. Parce que moi, la première fois, s'il n'y avait pas eu le time-lapse où tu vois l'animal mourir, j'avais pas compris qu'il était mort. Moi, j'avais compris qu'il était KO. Pas compris qu'il était mort. Donc, c'est bien beau de dire « it's a knockout », mais ça aurait été bien de dire « he's dead ». Voilà, là, au moins, on aurait été fixé. Ouais, non, cette scène-là n'a rien à faire là. Et puis, comme t'as dit, ça te met dans l'ambiance pour l'épisode. Du coup, bah, tu pars du mauvais pied. Et après, vu ce qui arrive derrière, t'es pas forcément encore plus enjoué. Mais c'est clairement la pire scène qui a été faite pour l'instant. Et niveau scientifique, bah voilà, comme j'ai rien à rajouter de plus que Venator, y a rien qui va, quoi. C'est audacieux d'armer des Dreadnoughtus, je dis pas. Mais pour le coup, et ça, c'est mon humble avis, les Dreadnoughtus de Dominion sont mieux parce qu'ils ont moins intérêt d'être vus un peu de loin, du coup, la forme est bien, et on dit pas de conneries dessus. Donc voilà, un point en plus à donner à Dominion. Bah, en soi, je suis assez d'accord. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé bizarre, c'est le fait que justement, bah, ils se mordent, parce que les dents des sauropodes sont faites surtout pour ratisser les plantes, en tout cas, c'est ce qui me semblait. Qu'est-ce que t'en as pensé justement, Eiffel, de ce détail-là? Parce que moi, ça m'avait vraiment choqué. Est-ce que je pense pas comme il faut, ou est-ce que c'était vraiment bizarre justement, ou est-ce que bah, même avec ce genre de dentition, est-ce que ça aurait pu être plausible? Alors, qui se mordent, pour moi, c'est qu'il y a des morsures, c'est pas un problème. Tu prends d'autres mammifères qui, par exemple, actuellement, par analogie, ont justement des dents qui, du coup, ont une fonction similaire et donc une morphologie similaire. Ils peuvent se mordre, c'est-à-dire, ils peuvent se mettre des coups de chicot. Hein, donc ça, après, c'est plutôt la façon dont ils se mordent. C'est vrai que là, vraiment bien ouvrir la bouche et y aller franco et tout, bon, là, je trouvais ça exagéré, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. Comment dire, Dreadnoughtus, en soi, l'animal est en termes de squelette, hein, au niveau du crâne et du cou, en fait, il y a quasiment rien. Je crois que le cou, il y a environ 2 vertèbres et le crâne, ça doit être, ça doit être quelques dents et alors, ça doit être crâne, 3 semble, 3 pauvres fragments. Il y a peut-être pas, moi, j'avais en tête, je sais pas, des petits fragments du prémaxillaire ou une connerie c'est comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est. Alors, prémaxillaire, j'ai vu 2-3 dents, mais c'est surtout au niveau du bassin, de la queue, de 2-3 côtes qui se battent en duel, de 2-3 vertèbres, et puis c'est tout. Ouais, oui, non, on a surtout du post-crânien, oui, en termes de caudal, de ceinture, de dorsale, enfin bref, il y a, oui. Dreadnoughtus et assez bien pourvu. En fait, le Dreadnoughtus, on connaît les deux ceintures, hein, donc on connaît voilà, tout ce qui est épaule, membre antérieur, bassin, membre postérieur, côte, bas du dos. Et effectivement, oui, on a la queue, on a une queue extrêmement complète. C'est vrai que c'est ouais, au niveau tout ce qui est à l'intérieur. Bon. Donc bon, après, voilà, c'est pas... En soi, l'anatomie générale, personnellement, m'a pas spécialement choqué. Après, je suis pas un expert des sauropodes, mais bon, de ce que je sais des titanosaures, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas choqué, à part les bouboules. Voilà, ça n'a... La façon dont ça sort et c'est lié au sac aérien, enfin, voilà, ça n'a aucun sens. À part justement, comme vous avez dit, voilà, ouais, effectivement, il y a des artistes qui avaient déjà dessiné ça un peu avant. Je suis pas fan du tout. Pour moi, s'il y avait un truc à faire pour Dreadnoughtus, quitte à se baser sur ce qu'on connaît dans la nature actuelle,
Moi, j'aurais bien aimé justement qu'ils fassent un peu comme les autruches de maintenant. C'est-à-dire que les mâles, pareil, qui ont un cou assez quand même allongé, ils vont gonfler en fait leur cou. Mais il n'y a pas de structure en soi, c'est juste voilà, ils gonflent le cou en émettant de gros sons. Bah voilà, moi j'aurais préféré plutôt ça justement, voilà. Le mâle qui va faire ça, qui va burp, il gonfle, il essaye d'écarter, d'impressionner les rivaux, tout ça, tout ça. Après la manière dont ils se battent, ça par contre j'ai trouvé ça abusé. Le fait voilà de se mettre comme ça sur les membres postérieurs et tout. Il y a des études qui invitent à la prudence. Parce que, un sauropode, c'est grand, mais c'est peut-être pas assez solide pour se permettre de faire tout et n'importe quoi et de supporter autant de poids. Alors certes, faudrait une étude, mais franchement, par rapport à la tronche du bassin de Dragnotus, et vu comme quand même le cou avait l'air d'être assez massif, d'après les quelques vertèbres cervicales qu'on a, encore une fois, et par comparaison avec d'autres titanosaures... Il y avait l'air d'avoir du poids à l'avant, donc le fait de se mettre que sur les deux pattes arrière, vu la tronche du bassin et compagnie, ça sent plus je vais me casser la gueule, me casser des os ou je ne sais quoi qu'autre chose. Alors justement, le documentaire, dans sa représentation de Dreadnoughtus, ça fait 2-3 trucs sur ce sujet. Déjà, alors il me semble avoir remarqué que les pattes arrière sont plus épaisses que les pattes avant. De deux, il s'appuie sur sa queue, et on la voit vraiment qu'il la pose au sol histoire de se mettre en position debout, bah, finalement comme les kangourous d'aujourd'hui. Et surtout, chez les mâles et les mâles seulement, on voit une espèce d'énorme bourrelet, une bosse au niveau du bassin qui doit, je suppose, entre guillemets, être faite pour le soutenir dans sa position de combat. Mais qu'est-ce que ça a à nous dire là-dessus ? Ben, c'est bien beau tout ça, mais ça remplace pas que ça repose en fait sur rien, parce qu'en fait, même s'ils ont fait tout ça, c'est pas pour ça que mécaniquement ça tient vraiment la route. Pour savoir si mécaniquement ça tient la route, ben, il faudrait que quelqu'un étudie ça et publie les résultats et qu'on regarde qu'est-ce qu'il a à nous dire. Parce que mais en plus, on a des méthodologies hein, maintenant en plus pour tester tout ce qui est voilà résistance sur les fossiles en termes par rapport à l'anatomie du cou. Donc ça, on pourrait tester éventuellement. À faire, donc ok, ils ont voulu prendre des dispositions, mais c'est mignon, mais voilà, ça repose sur rien en fait, et c'est pas pour ça que ça fonctionnerait. Et ce que tu dis, donc là, la boule donc qu'aurait que les mâles, ben alors ok, un dimorphisme sexuel, mais pour l'instant, on n'a pas assez de Dreadnoughtus pour nous permettre de dire qu'il y avait ce type de dimorphisme sexuel. Et en plus de ça, c'est très dirigé, hein. C'est très dirigé parce que ça voudrait dire qu'ils ont fait un truc qui est que pour les mâles et qui en plus leur servirait à accréditer leur idée. Donc là en plus ça fait un peu raisonnement circulaire, donc voilà, je prouve ce que je veux quoi qu'il arrive en fait de base dans mes prérequis, donc c'est pas terrible. Donc non, enfin pour moi ouais, Dreadnoughtus, à part vraiment l'anatomie générale, pour moi c'est son seul point positif. Les boules c'est non, et la façon dont ils se battent en se mettant sur les pattes arrière, en se mordant hyper agressivement, c'est non aussi. C'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais c'est vrai que j'avais été un peu choqué de la queue sur laquelle il s'appuie, parce que très clairement, on voit qu'elle se plie bien, et je ne pense pas que le... C'est un avis personnel, encore une fois, hein, aucune étude. Mais très franchement, je doute que les vertèbres puissent se plier à un angle aussi aussi petit, du coup, en fait. Parce que là, on était sur... Alors, c'était pas non plus du 90 degrés, mais c'était pas très loin. Donc, ça m'avait un peu... Ouais... Bon, en même temps, c'était un élément parmi tant d'autres qui m'ont un peu fait sortir du truc, donc il y avait tellement de choses à dire sur ça. Ça expliquerait peut-être les musiques de super-héros. Mais oui ! Et oui, on sait pas, hein, ça se trouve, c'est vraiment la suite du MCU. Moi, je sais pas, je propose. J'essaie de trouver une cohérence dans ce truc-là, j'ai du mal, mais donc on tente des choses. On tente bien. Hein. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on passe au suivant ? Oui, j'ai quelque chose à rajouter de positif. Ça va être ça. En fait, au début, on voit qu'il y a des oiseaux qui se baladent sur le dos des Dreadnoughtus. Et j'ai trouvé ça sympa comme vision des choses. Ça peut rappeler ce qu'on a sur les éléphants, etc. Ça, je trouvais ça assez cool. Et c'était une bonne représentation d'un écosystème. Voilà, je tiens à le souligner parce que j'ai pas beaucoup de gens en parler. Et c'est vrai que c'était assez discret, mais encore une fois, c'est un détail qui peut paraître sympathique. C'est une bonne idée. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que tu disais, Simon ? Non, je disais juste ça, c'est une très bonne idée. Je suis entièrement d'accord. C'est pas la mienne. Hein. Je suis entièrement.
Ah, oh, tu l'aurais eu. C'est vrai. Bon, bah maintenant nous allons passer donc au suivant victime de ce phénomène de spéculation. Le Mononicus, alors pour resituer, pardonnez-moi, le contexte dans lequel cet animal apparaît. Mononicus est donc montré comme un animal très adapté au désert. Il a un skin qui ressemble beaucoup à celui d'une chouette avec il est très plumeux. Il a des auréoles autour des yeux qui rappellent justement la chouette. Il précise que les plumes à certains endroits, je n'ai plus la phrase exacte, hein, mais les plumes à certains endroits, ça aide à se rafraîchir et justement le fait de ne pas en avoir, notamment aux pattes, je crois, ça l'aide aussi à se rafraîchir. Il est très adapté également à un mode de vie insectivore, il est montré notamment avec une grande langue qui fait deux fois la taille de sa tête, il me semble. C'est la fameuse griffe unique que porte le Mononicus, d'où vient son nom. Lui sert donc à déterrer les insectes dont il se nourrit. C'est un animal qui est montré comme plutôt mignon, notamment lorsqu'il découvre que le désert reverdit, entre guillemets, même si c'est plutôt des jolies fleurs qui réinvestissent le désert. Alimentaire aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est important de préciser, mais les plants des fleurs qui poussent en time-lapse sont issus d'un autre documentaire planète, hein, le Green Planet, et c'est donc un recyclage de plants, littéralement. Peut-être dû citer que c'est pas nous qui l'avons découvert, c'est Alexis Rastier qui nous l'a dit. Ouais. Oui, juste pour César, on va faire ce qui est à César. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Le Mononicus, c'est montré donc dans le documentaire comme un animal. On va pas se mentir, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui. Ça vient d'où? Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous avez pensé là? Voilà, je laisse la question au suspens. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le Mononicus, vous? Parce que moi, je ne saurais même pas. Là, j'ai dit à peu près tout ce que je pense que le documentaire a dit. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces informations dans l'ensemble? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous choque ou est-ce que vraiment toutes ces informations, voilà, vous donnent le même effet? Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir Mononicus comme ça dans le documentaire? Il est mignon, voilà, ça on peut le dire, il est mignon, voilà, ça c'est oui, il est très mignon. Il n'est pas du tout, je vais pas dire pas du tout, mais il n'est pas adapté à une vie en désert. Et en plus de ça, il a des super pouvoirs. Alors là, c'est là qu'on commence avec les super pouvoirs des animaux dans le documentaire. Ce sera pas le seul, mais c'est le premier qui apporte des super pouvoirs. Ils nous disent que grâce à ses oreilles, donc pour vous refaire le petit contexte, il est en train de gratter dans un tronc d'arbre. Il nous dit qu'avec ses oreilles, il arrive à recréer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est quand même très très fort pour le Mononicus, parce que, alors, spoiler, il n'y a rien qui prouve ça, déjà. Et c'est un peu amené de manière... Mais il n'y a rien qui l'amène. C'est dit là comme ça, ils ne reviendront pas dessus, ils ne donneront pas d'autres preuves. C'est, voilà, dis-toi que c'est ça, il sait le faire et c'est tout. Alors je trouve ça quand même très très poussé pour un animal comme ça. Et en plus de ça, avoir des disques noirs autour des yeux quand t'es dans le désert, c'est totalement débile parce que ça fait que t'as encore plus de lumière qui arrive dans les yeux. C'est pas du tout adapté à un mode de vie dans le désert. Donc ça, c'est je comprends même pas comment ils sont pas rendus compte. Parce que oui, le skin est beau, c'est une chouette effraie, mais à un moment donné, faut aussi penser à la cohérence de l'animal. Il n'y a pas que le skin qui importe. Ça, j'ai trouvé ça débile. Et en plus de ça, alors là, encore une fois, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est Valoraptor qui nous l'a refait remarquer en regardant l'épisode. À un moment donné, il s'attaque à des oiseaux, alors qu'on voit clairement qu'il est tellement spécialisé pour être insectivore qu'il n'a pas besoin d'attaquer des insectes. Donc voilà, là, on en revient à ce que disait un peu Nico. Le Tarbosaur, on montrait que c'était pas un animal qui s'attaquait à tout. Et que le Mononicus on revient dessus en disant que il s'attaque à tout. Donc là, il y a une sorte de dissonance dans le discours qui est faite, et je ne comprends pas pourquoi, parce que t'avais pas besoin de montrer ça. Tu pouvais juste le montrer en train de chasser des fourmis, des mythes, ou des... enfin, ce que tu veux. Moi, ça m'aurait suffi. T'avais pas besoin de le montrer en train de chasser 50 000 animaux. Donc, le Mononicus, c'est un loupé total, et ils ont même pas vraiment beaucoup parlé de ses griffes, qui sont quand même... c'est quand même un des gros symboles du Mononicus, hein, c'est ce qui a donné son nom. Mais non, il préfère se baser sur des trucs qu'on connaît pas, plutôt que de se baser sur des études qui pourraient prouver certaines choses. Donc ça, c'est un symbole de ce que je déteste dans cet épisode. Et encore, j'irais presque à dire que c'est pas le pire de l'épisode, mais ça reste quand même un gros point noir, et qui pour moi
occulte de tous les points noirs qui avaient été faits dans l'épisode 1. Il n'y a rien à en tirer de ce Monicus. Il est ignoble. Voilà, je vais laisser les autres en parler parce que ça me tend les poils, là. C'est pas bon. Calme-toi, Karcharino, calme-toi. On va t'apporter un glaçon. On arrive. Il fait chaud en ce moment, il faut comprendre. C'est pas facile. C'est vrai. Je vais rajouter un petit truc à propos du Monicus. Déjà, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que la petite griffe du Monicus sur les pattes avant, ils l'ont fait un petit peu émousser sur le bout, ce qui montre qu'il s'en sert beaucoup. Ça, j'ai trouvé sympa, mais j'ai trouvé moins sympa le bruit d'épée qui sort de son fourreau au moment où on la montre. Bon, et ça paraît presque humoristique. Sinon, les mouvements sont plutôt bien, je les trouvais bien. Mais pour reparler des disques faciaux autour de ses yeux, qui sont une inspiration prise chez les hiboux et les chouettes modernes. Ces disques, chez les hiboux et les chouettes modernes, ils ont pour rôle de situer le son un petit peu comme nous avec nos oreilles en cartilage. Ça permet de situer le son. C'est pour ça qu'on voit beaucoup les hiboux et les chouettes tourner la tête un petit peu dans tous les sens pour repérer leur proie. Lorsque le son arrive aux deux ouïes avec la même intensité et en même temps, ils savent que ils sont en face de la proie. Le problème là, c'est qu'on le voit pas du tout se servir de ça. J'ai l'impression que ces disques faciaux, ils servent pas à grand chose, puisque lorsqu'ils essayent de repérer les proies dans le tronc d'arbre qui se fait une carte mentale, des petites termites, il a pas besoin de ça. D'ailleurs, la preuve, on le voit coller une ou l'autre de ses ouïes sur le tronc d'arbre. Il n'essaye pas de situer une proie en restant loin de celle-ci et en restant très, très furtif. Il est seulement en train de coller ses ouïes l'une après l'autre sur le tronc d'arbre. Donc c'est dommage qu'il le représentait comme ça, avec des disques faciaux vraiment aberrants, sans qu'ils s'en servent. En plus, ces gros yeux noirs, là, c'est vraiment des yeux d'oiseaux nocturnes. C'est des yeux qu'on retrouve chez les oiseaux nocturnes. Donc, pourquoi là, toujours, c'est vrai que on peut, les chouettes effraies qui ont le même type d'yeux, c'est vrai qu'ils peuvent chasser le jour, mais voilà, c'est pas la majeure partie du temps, là. Surtout que là, il est très actif, quoi. Donc, voilà, tout ce que j'avais à dire sur lui. Moi, si je peux me permettre une toute petite aparté, je suis en accord avec beaucoup de choses que vous avez dit. Alors juste tout à l'heure, voilà, moi quand j'évoquais voilà les spéculations, mais basées quand même un peu sur tes publications, Monicus, il rentre là-dedans. C'est-à-dire que oui, pour ce qui est de sa griffe, de son bras en fait, qui était vraisemblablement assez musclé, pas de souci, ça a été étudié, ça a été publié. Pour ce qui est du régime myrmécophage, donc ça, il faut savoir que Monicus, il appartient un groupe qui s'appelle les Alvarezoridae. Il a notamment des cousins à lui qui, voilà, on connaît mieux l'anatomie de ce groupe grâce un peu à toutes les espèces. Donc là, d'ailleurs, Mononicus, là, dans le docu, ça ressemble beaucoup à du Chuvuya. Enfin bref, voilà, le côté myrmécophage, donc ça, pareil, ça, c'est scientifiquement, voilà, ça sort pas de n'importe où, j'ai envie de dire. Par contre, ouais, le gros problème, c'est, bah, comme vous l'avez dit, c'est le skin là, de la chouette effraie qui n'a absolument aucun sens. Notamment, en fait, avec ouais, les disques, vous avez tout très bien dit, voilà. C'est totalement stupide, c'est même pas dommage, en fait, c'est stupide d'avoir fait ça. Là, ça montre qu'il n'y a pas eu de regard critique, il n'y a pas eu de réflexion, c'est juste, oh tiens, c'est beau, c'est cool, on va le garder. Voilà, c'est bête. Et la carte mentale est vraiment très 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 abusée. Genre bon dire, ouais, là-dessus... Alors, le côté, encore une fois, oui, qui serait développé, ça aussi, on peut trouver de la littérature à ce sujet pour les Alvarezoridae. Donc, qu'il aurait eu une ouïe développée, pourquoi pas. Par contre, ouais, alors, une ouïe développée, lier ça au comportement myrmécophage, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, voilà, c'était pas la peine du skin de la chouette, du coup, encore une fois. C'est bête. En fait, Mononicus, c'est dommage, parce qu'encore une fois, ça repart sur Velociraptor, et sur le Mosasaur, et sur d'autres, en fait. Il y a plein d'espèces, en fait, par moment, en faisant attention, voilà, juste à certains détails graphiques, ou en n'allant pas trop loin dans la spéculation, on aurait pu avoir des super trucs. Mais encore une fois, bah, et là, ils arrivent à passer à côté, alors que ça partait super bien. Bah, en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que bah, là, tu viens de le montrer, il y a quand même pas mal de publis et pas mal de choses intéressantes à dire, mais ils ne s'attardent pas sur ce qui est en cours d'étude ou qui tendrait à devenir à peu près vrai. Ils préfèrent faire eux-mêmes des sortes de publications dans leur documentaire. Mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi l'intérêt?
à part là, je vais le dire, à part volontairement inculquer des idées fausses dans la tête des gens. Là, il y a un moment donné, tu fais pas de documentaire et fais un film. Et que tu appelles Mononycus versus Superman. Mais tu fais pas Prehistoric Planet. Je ne comprends pas ce parti pris. Et pour moi, il n'est pas excusable. Non, je suis très d'accord. Moi, pour le coup, là, voilà, Mononycus, enfin, voilà. Moi, justement, plutôt le voir davantage, je sais pas, attaquer une termitière, par exemple, quitte à ce qu'il mange, d'ailleurs. Plutôt ça, voilà. Et justement, le verrait utiliser son bras, où on sait, voilà, ben voilà, il y a des publications, les bras de Mononycus sont puissants. Donc, let's go, vas-y, dude, quoi. Montre-moi ça, montre-moi des Mononycus utiliser sa griffe et son bras, qu'on sait qu'ils sont développés, qu'ils sont très musclés. C'est vraiment dommage, c'est frustrant qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur cet animal. Personnellement, c'est l'un des dinosaures que j'aime le plus. Pour tout un tas de mignonneries que j'ai vues sur lui, justement, avant le documentaire. Et c'est dommage, il y avait c'est un animal qui est vraiment mignon, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de bien positif à dire à part ça? Bah, si ça vous suffit, tant mieux pour vous. Mais malheureusement, bah, pour un docu-fiction, j'avoue que je m'attendais à un petit peu de... Bah, à d'autres choses, justement, concernant l'animal. Je l'aime bien, en fait, le Mononycus. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'il soit passé à côté là-dessus. Du coup, Edouard, j'ai une petite question pour toi, parce que là, ça m'intéresse, vu que c'est un de tes dinosaures préférés. Est-ce que, en l'ayant vu dans ce documentaire, ça a changé ta vision et peut-être que, du coup, bah, tu l'apprécies un peu moins? Et est-ce que, si tu, par exemple, avais eu, on va dire, 11 ans ou 10 ans, et que c'était ton dinosaure préféré, bah, t'aurais plus facilement assimilé ces informations? Alors, très franchement, j'en sais rien, j'ai plus du tout mon regard d'enfant. Par contre, Mononycus, c'est un animal que j'aimais bien, mais que j'ai vraiment commencé à apprécier depuis que je me suis remis aux dinosaures, bah, plus récemment, donc il y a quelques années. Je dirais 5 ans, 6 ans, comme ça, quand j'avais fini un peu ma crise d'ado. Très franchement, en l'ayant vu dans le documentaire, je ne pense pas qu'il m'aurait fait vraiment apprécier le dinosaure, car je ne suis pas spécialement fan des chouettes effraies. Enfin, c'est pas vraiment ça qui m'aurait fait aimer, je pense. Ça n'aurait pas suffi, le côté mignon de l'animal. C'était pas vraiment pour ça que je l'aimais bien. Le côté mignon dans ce truc-là, pour moi, c'est pas ça à côté. Moi, ce que j'aimais vraiment bien avec l'animal, peut-être même justement dans les spéciaux de la Walking Weave, c'est que c'était un animal qui était, en fait, assez anecdotique, mais qui avait quand même sa particularité. C'est un dinosaure pas très connu, mais qui est facilement reconnaissable, hein, au titre de certains autres qu'on verra plus tard dans le documentaire. Et c'est vraiment le genre de dinosaure que je préfère, des dinosaures vraiment pas très connus mais qui ont vraiment leur singularité. Et le Mononycus est vraiment très sympa parce qu'il y a vraiment des petites histoires sur lui avec le fait qu'il n'ait qu'une seule griffe. Et c'est vraiment dommage, il y avait tellement de belles choses à dire sur l'animal parce qu'il y avait quand même des petites sources à mettre. Comme l'a dit Eiffel, c'est un groupe qui est quand même maintenant assez connu avec beaucoup de genres. Donc là, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Chuvuaya, par exemple. Ou il y a Alvarezaurus qui est dans le même groupe, des animaux quand même. On connaît à peu près le groupe. Et il y avait des choses à dire, à mon sens, et c'est dommage. Là, je trouve pas qu'il y ait tant de choses qui étaient retenues de la source scientifique, du matériel scientifique. C'est vraiment dommage. Si ça vous va, pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mononycus. On peut passer peut-être au suivant. On va faire un petit intermède avec les dinosaures, hein. On va parler d'un ptérosaure cette fois. On va parler du Barbaridactylus de l'épisode. Alors, bon, on va quand même vous recontextualiser du coup la scène vite fait. Les Barbaridactylus, on les a vus dans l'épisode d'avant, en train de chasser des petits alcyones, je crois. Ce sont des animaux pourvus d'une crête gigantesque, en tout cas pour les mâles, a priori. Car en effet, on apprend dans ce documentaire qu'il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles, puisque les femelles ont des crêtes plus petites. Mais certains mâles ont eux aussi des crêtes plus petites, enfin dans le documentaire, hein, évidemment. Et ces petits mâles, justement, s'infiltrent dans les harems des grands mâles pour justement essayer de trouver une femelle de manière sournoise, comme ce qui est dit dans le documentaire. On en suit notamment un qui s'infiltre, qui justement... On pense qu'il s'est fait repérer, mais en réalité, le mâle pense que c'est une femelle. Et donc, du coup, l'autre joue le jeu, mais fait le réticent, et donc dit « Non, non, je suis pas très intéressé. » Et l'autre retourne parader ailleurs en disant « Bon, attends. » Et justement, plus tard dans l'épisode, ce mâle sournois trouve sa bien-aimée dans le harem du grand mâle. Et voilà, victoire, comme ce qui est dit dans le docu, hein, mot pour mot, succès. Là, je vais laisser la parole à Nico, parce qu'il me semble qu'il a quand même quelques petites choses à dire sur l'animal. En particulier, qu'est-ce que tu as pensé justement de l'interprétation de cette scène? On pourrait en faire justement, Nico. Est-ce que tu pourrais
déjà parler avant tout de la source de ce comportement, d'où est venue cette idée, en tout cas très probablement, hein, au vu de ce qui est montré, de comportement pour le barbare Dactylus. Eh bien oui, je peux vous faire ça. Alors, Barbaridactylus, c'est un animal dont on n'a pas grand-chose, on a juste un bout de crâne, comprenant justement une partie de cette fameuse crête que certains auront peut-être assimilée à celle de Nyctosaurus, car c'est en effet un proche cousin. Pour ce qui est montré, ce système de reproduction avec mâle discret et mâle moins discret, c'est inspiré de pas mal de bestioles. Ils ont fait un petit épisode bonus, comme pour le Velociraptor dont Venator nous a déjà parlé avant, et ils nous disent quelques inspirations. Alors, ils ont parlé entre autres des kangourous, des sèches, dont Venator a déjà parlé dans une de ses vidéos, mais celui qui se rapproche le plus de ce qui est montré dans Prehistoric Planet, c'est un oiseau qui s'appelle le chevalier combattant. Alors j'en ai vu en vrai un petit peu. Et pourquoi je dis que ça se rapproche le plus? Parce que c'est vraiment un déterminisme génétique derrière. Les sèches, par exemple, elles vont changer de couleur et de forme et de posture pour se faire passer pour une femelle. Mais là, c'est vraiment... Mais c'est pas de naissance. Voilà, c'est pas de naissance. C'est entre guillemets... Alors, tu me diras si c'est un comportement acquis ou inné. Pour le coup, c'est acquis. Et si, par exemple, dans un groupe de mâles, pour séduire une femelle, il y en a qui sont plus petits, forcément, c'est les plus gros qui ont l'avantage pour parader. Et c'est dans ce cas-là que les sèches mâles les plus petites vont se camoufler en femelle pour pouvoir s'approcher plus facilement des femelles. Mais dans un autre groupe, peut-être qu'elles n'auraient pas à faire ça, parce qu'elles seront les plus grandes dans un autre groupe, potentiellement. Voilà, merci. Merci, Minotaur, pour cette petite précision. Donc, chez le chevalier combattant, il y a donc les femelles. Ils se réunissent en groupe pour la saison des amours. Et puis viennent les mâles. Alors, il y a trois mâles. Il y a le mâle combattant agressif, hein, qui est dominateur, qui est celui qui va gérer le groupe, hein, et qui va se battre contre les autres mâles pour justement les faveurs des femelles. Ce qu'on a pu voir dans le documentaire avec les mâles, avec des grandes crêtes. Et on en voit d'ailleurs un tuer un autre mâle. Il y a les mâles satellites, qui ne sont pas présentés ici, donc je vais pas en parler. Et il y a les mâles discrets, qui ont un plumage qui rappelle vraiment ceux d'une femelle. Ils ont une taille intermédiaire entre les mâles, les autres mâles et les femelles. Et donc leur but, c'est bien évidemment de se reproduire sans se faire gauler par les autres mâles, histoire de pas se faire défoncer sa tronche. Ce qui arrive de manière relativement régulière. Mais parfois, donc, ils peuvent se mettre... Enfin, aussi, les mâles agressifs ou satellites peuvent essayer de draguer les mâles discrets en justement pensant que c'est des femelles. Donc voilà, pour le coup, on a absolument zéro preuve de ça chez les ptérosaures. Les ptérosaures, c'est avéré qu'il y a un dimorphisme sexuel relativement fort, ne serait-ce que chez les pteranodontoïdes dont fait partie Barbaridactylus. Et Pteranodon, j'ai fait une vidéo sur Pteranodon où j'en parle un petit peu, je vous invite à aller la voir. Et ben là, Barbaridactylus, le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose, on a un crâne seulement, et c'est un crâne de mâle. Et du coup, on ne peut pas vraiment comparer avec des femelles, et surtout comparer entre plusieurs mâles, voir si ça marche ou si ça marche pas. Pour les autres ptérosaures proches, on n'a rien de pareil. Il y a, en général, les mâles avec des petites crêtes, c'est considéré comme des juvéniles, et non pas comme des mâles matures, mais avec une autre organisation. Donc voilà, ce qu'ils ont fait là, Prehistoric Planet, oui mais non, en fait. J'ai envie de dire, c'est oui mais non. Parce que je pense que c'est vraiment trop. Ils auraient pas dû faire ça. Montrer un comportement qu'on observe encore assez rarement, hein. J'ai cité trois exemples, mais c'est un comportement extrêmement rare, ce qui nous est présenté là. Donc représenter encore une fois un truc un peu vraiment de niche que même aujourd'hui on ne repère pas. Pas vraiment représentatif du truc. Je préférerais qu'il nous montre un système de colonie un peu plus classique. C'est-à-dire t'as des mâles et des femelles, dimorphisme entre mâles et femelles, mais pas entre mâles, qui s'ils veulent ils se battent et ils draguent mieux les uns que les autres. Mais là, le fait qu'il y ait un mâle sournois qui se fait draguer par le mâle fort, c'est vraiment beaucoup. Donc vraiment, je pense que c'était pas nécessaire. Non merci, Prehistoric Planet, t'avais pas besoin de faire ça. Donc, merci, mais au revoir. Merci pour ces explications. Notamment, donc là, on est assez clair sur le comportement. Si j'ai bien compris, c'est quand même un comportement qui est relativement rare. Mm-hmm. Et donc, bon, c'est vrai qu'utiliser un animal aussi, en plus aussi peu renseigné pour faire ça, c'est un point de vue assez audacieux de la part du docu. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur cet animal? Oui. Moi j'ai l'impression justement que tout a été dit. Personnellement, moi j'avais bien aimé l'idée, même si bon, encore une fois, ça reste une idée, c'est de la spécu, ça vient de nulle part. Bon, c'est dans la lignée de beaucoup d'autres choses de l'épisode, vous allez me dire. Moi justement, pour rebondir ce que tu dis, en fait je suis totalement, mais 100% d'accord avec toi, je trouve l'idée ultra intéressante. Dans l'épisode, c'était un des rares moments où je fais « Ah !»
pourquoi pas. Mais encore une fois, il aurait fallu peut-être dire dès le début, nous pouvons imaginer comme voilà, les chevaliers combattants qui pouvaient se comporter comme ça, mais nous n'avons aucune preuve. Là, s'il y aurait eu ça, j'aurais dit, bon, bah, au moins, c'est une vision qu'on peut avoir de l'animal. Ça m'aurait pas dérangé plus que ça, parce que bah, déjà, je connaissais pas ce mode de séduction, je tiens à le dire. Donc, au moins, ça a le mérite de me l'avoir fait découvrir. Mais voilà, c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir dit que c'était de la spécu. Mais dans l'idée, je salue quand même la tentative qui, pour moi, est moins grave que ce qui a été fait pour d'autres animaux. Je suis assez d'accord. C'est à peu près la chose que j'en retiens, moi, personnellement. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas nuancé. Bah comme pour le reste du documentaire, en proposant des choses assez audacieuses, bah qu'il n'y ait aucune nuance dans la narration, par exemple, ou la narration qui fait très documentaire et pas assez docu-fiction. Bien dans ce cas, nous allons passer au suivant et dernière victime, et pas des moindres, nous allons parler du Cécernosaurus. Alors le Cécernosaurus, c'est un hadrosaure, hein, c'est un ornithopode. En tout cas, il me semble que c'est un hadrosaure. Nico, tu confirmes ? Oui, je confirme, c'est bien dit hadrosaure dans le documentaire. D'accord, donc c'est bien un hadrosaure. Cet hadrosaure donc vit en meute. Alors je vais être honnête avec vous, c'est une des parties de l'épisode où à deux reprises j'ai décroché. Donc je ne me souviens pas de tout ce qui est dit, car encore une fois la richesse des informations est excessive et parfois tellement remplie de spéculations que j'avoue que passer 40 minutes de programme, j'ai vraiment du mal à tout retenir. Donc je vais raconter sommairement. Ces animaux vivent dans un désert de gypse, un environnement qui est assez aride et vraiment d'un stade autre qu'un désert, on va dire, de sable. Parce qu'en fait, aucune végétation ne peut vraiment s'y implanter. Bon, par miracle, il y en a un petit peu dans l'épisode. Et les Cécernosaures, donc, sont des animaux qui migrent à travers ce désert de gypse. Dans le documentaire, ils voyagent le jour, je pense, hein, et ensuite la nuit, ils se reposent et ils regardent les étoiles pour se repérer. Alors, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Justement, ils se retrouvent à l'ombre des dunes le jour et se repèrent la nuit grâce aux étoiles. Bon, vous voyez, j'étais vraiment très attentif à ce moment-là. C'est vraiment un animal qui m'a vraiment marqué. Non, mais en fait, c'est vraiment, grosso modo, vous allez vite le sentir. Et la spéculation est tellement présente dans cette partie de l'épisode. Je ne vois pas une seule chose qui est juste, ne serait-ce que sourcée ou étayée dans cette partie-là. Donc j'avoue que j'ai vraiment décroché. Donc je reprends, ils se reposent à l'ombre le jour et la nuit, du coup ils se repèrent grâce aux étoiles qu'ils voient dans le ciel. Ils se repèrent aussi en repérant l'humidité à des kilomètres à la ronde, je crois. Ils escaladent des dunes, ils se lèchent les uns les autres pour capter l'humidité. Bon bref, voilà, grosso modo, je pense que j'ai pas mal résumé le truc. Personnellement, c'est pas un animal que je connais beaucoup, et pourtant, je pense qu'ils ont un peu abusé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous pensez du désert de gypse, de comment se repérer, même le fait qu'ils puissent vivre dans des déserts, je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Parce que moi, ça me fait un peu rire. Vas-y, Nico, vas-y. Oh bon, écoute, je me suis grillé tout seul. Bon, finalement, j'ai pas grand chose à dire hein, sur Cécernosaurus. J'aime bien le pattern, hein, ils ont des rayures comme les zèbres. Bon, moi, j'aime bien aussi. Et je pense que cette analogie avec le zèbre, c'est justement assez corrélé avec le fait qu'il se repère aux étoiles. Alors, lors de nos nombreuses discussions, après que nous ayons vu l'épisode avec les copains du serveur, nous avons discuté justement que certains animaux migrateurs d'Afrique, notamment justement les zèbres et les gnous, pouvaient se repérer avec les étoiles. Et justement, alors c'est possiblement aussi le cas des dromadaires et chameaux, qui justement vivent dans un environnement qui correspond un peu plus à ceux du Cécernosaurus dans ce documentaire. Avec justement, comme le dit David Attenborough, des dunes qui bougent. Du coup, c'est jamais la même géographie. La géographie change tout le temps dans le désert. C'est pour ça qu'ils ont donc besoin des étoiles pour se repérer. Je trouve que c'était quand même un peu gros. Et on sent bien que ça a été calqué sur les dromadaires. Mais du coup, personnellement, j'ai senti qu'il manquait un truc. Voyez-vous, à un moment, on les voit escalader une colline. Une dune de sable. Hein. Même plus de gypse, hein, de sable. Ils ont été assez loin pour s'en libérer de ce désert horrible. Et ils escaladent sur le long de la crête de la dune. Moi, je me dis, pourquoi ils montent pas comme des dromadaires? Je sais pas si vous avez déjà vu un dromadaire monter une dune. Ils
plie ses avant-bras, enfin ses avant-bras, ce qui sont les avant-bras chez nous, et il commence à grimper comme ça, les jambes à l'avant pliées, et c'est extrêmement économe au niveau de l'énergie. Bah là, on les voit pas le faire, on les voit juste galérer sur le long de la crête de sable. Donc voilà, si vous voulez faire l'analogie avec le dromadaire, bah, autant y aller, quoi. Et petit dernier mot avant que je laisse la parole, c'est quand même un peu une mauvaise idée hein, d'élever ces petits et de vivre dans un grand troupeau. Hein. Au milieu du désert le plus inhospitalier, je dirais de tous les temps. Parce que, comme l'a dit Edouard, il y a juste un petit pot de plantes qui poussent par miracle. Et comme nous l'a dit Alexis... hier, justement. Les déserts de gypse, c'est tellement sec que l'eau infiltrée et l'eau liquide n'existent pas. C'est inconcevable, c'est erreur 404. Ou vraiment, l'environnement dans lequel ils ont décidé de mettre ce Cernosaurus, le désert de gypse, bah, c'était pas une bonne idée. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû l'évoquer un peu vite fait en mode... Il y a plein de types de déserts sur la planète préhistorique. Il y a les déserts de sable, les déserts rec, donc les déserts de cailloux qu'on voit un petit peu au début avec Tarbosaur, et même des déserts de gypse. Que le climat chaud du Crétacé permet d'exister. Donc voilà, ils auraient pu mieux faire, clairement. Alors, je prends la suite de la parole parce que c'est peut-être l'endroit qui va le... Alors, comme Edouard, j'ai déconnecté à ce moment-là parce qu'il y a trop d'informations, tu comprends plus rien à ce qui se passe. En plus de ça, la notion de géographie dans l'épisode, tu passes d'un endroit à l'autre sans vraiment savoir ce qui se passe, il bouge beaucoup trop. Et le problème, c'est que là, ça atteint la quintessence des super-pouvoirs des animaux. Il y a un point en plus des étoiles, c'est qu'apparemment il peut entendre à plusieurs kilomètres. Alors là, bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que il y a pas de source déjà. Donc bon, ça me saoule un peu. C'est donné au hasard comme ça. Pareil les étoiles. Là, on sait qu'on a des exemples actuels, mais comment tu veux arriver à faire ça avec des animaux disparus? Très très fort quand même les monsieur paléontologues américains. C'est des génies. Et en plus de ça, le fait qu'ils lèchent leurs gouttelettes, etc. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Mais alors là, je sais pas si d'autres animaux le font comme ça. Mais est-ce que ce serait pas plus intéressant qu'ils se lèchent les uns les autres pour récupérer plus d'eau, vu qu'il y a des endroits qui sont pas accessibles pour eux. Typiquement, le cou, le visage, les parties arrière du corps, bah là, au moins, ils pourraient en récolter plus. Alors, justement, si je peux me permettre de répondre à ta question. Vas-y. Non, alors, pour ce qui est effectivement, par exemple, dans le désert du Namib, il faut le savoir, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les zones arides, même chez nous, en climat méditerranéen, la tortue d'Hermann, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et là, effectivement, récupérer l'eau, par exemple, sur les gouttelettes, les fines gouttelettes, soit sur des feuilles, soit directement sur des cailloux, quelle que soit la surface. Ça se fait, ça existe. Et justement, non, ils vont pas se lécher sur eux. D'accord. Alors, les seuls animaux qui vont récupérer vraiment l'eau sur eux pour boire, là, on est plutôt... dans l'actuel, on connaît pas 36 milliards d'exemples. En fait, à chaque fois, on est sur des micro-vertébrés ou alors sur des arthropodes. Il y a par exemple un scarabée, j'ai plus son nom en tête, justement, qui vit dans le désert du Namib, qui expose en fait son abdomen. Il a des sillons sur ses élytres et tout pour que les gouttelettes, elles coulent ensuite jusqu'à sa bouche. Donc il y a le gecko palmé, pareil, dans le désert du Namib. Alors lui, l'eau, elle est retenue sur ses yeux qui sont globuleux et il les lèche, il va lécher. Il y a deux lézards, donc il y a le Moloch en Australie, et le lézard crapaud cornu, donc Phrynosoma cornatum en Amérique, qui eux, en fait, ils ont un réseau de petits pores labyrinthiques au milieu des écailles. Donc en fait, ils s'exposent, ils sortent dehors quand il pleut, l'eau, elle coule sur leur corps, elle va dans ses pores, et ensuite, une fois que tous les pores, entre guillemets, ils sont pleins, par capillarité, en fait, ils font remonter l'eau jusqu'au point de convergence, en fait, de ce réseau, et le point de convergence de ce réseau, c'est en fait leur bouche. Mais là, non, voilà, ce qui montre, a priori, là, dans Préhistorique Planète, pour boire, ça va à peu près. Moi, justement, je m'étais fait cette réflexion parce que là, on montre des animaux sociaux qui vivent en groupe. Donc peut-être que ça aurait pu être un comportement qui serait intéressant. Vu que là, la plupart des animaux que tu as cités, c'est plutôt des animaux solitaires, non? Enfin, après, sinon, si tu veux, faut que tu aies la structure également aussi pour te permettre ça. Là, dans ce cas, il aurait fallu qu'ils trouvent quelque chose à dire. Que de juste dire, enfin, s'ils avaient fait ça. Donc là, après, pour le coup, puis bon, après, boire, tu sais, sur l'autre, enfin, si l'autre il a des parasites ou quoi, enfin. Ça tue les protéines? Oui, c'est une vraie chose.
Non, voilà. Mais c'est en... dégueulasse. En gros, voilà, moi, perso, j'ai pas aimé ce point-là. Après, bon, c'est mon avis. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup trop de spéculations là et que c'est vraiment donné comme si c'était... J'ai l'impression de voir Dinosaure de Disney. C'était une grosse... un gros roman épique où il faut qu'ils arrivent à leur but à la fin, etc. T'as oublié le côté science, hein, parce que là, le côté science, pour la partie, cette partie-là, il est passé aux oubliettes. Donc, j'ai pas... ça m'a vraiment sorti du truc, et c'est... Vu que vous voyez qu'il restait plus beaucoup de temps dans l'épisode, je me suis fait, bah, ça sert à rien de continuer, vu que le documentaire... Me fait caca au visage, donc je vais pas en plus lui demander de m'ordonner. Non, c'était une purge. C'était une purge. J'ai rien à en ressortir de ce passage-là. Même si, comme l'a dit Nico, niveau design, ils sont assez jolis quand même. Par contre, le bébé a l'air d'avoir envie de mourir aussi. Il a l'air très bien, le bébé. Je pense qu'il faut l'envoyer consulter. Mais bon, voilà. Voilà pour mon avis là-dessus. C'est typiquement, encore une fois, une partie négative de l'épisode. Bah, grosso modo, oui, je suis assez d'accord. C'est vraiment une partie qui est assez confuse. C'est très difficile de démêler le vrai du faux s'il y a du vrai. Je sais pas, est-ce que les autres, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Pour le coup, lorsqu'ils se lèchent entre eux, est-ce qu'ils perdraient pas plus d'eau en déposant leur salive sur leur congénère en essayant de les lécher qu'en léchant en récupérant les fines gouttelettes? Je pense qu'il perdra la même chose, vu que quoi qu'il arrive, tu perds de la salive en te léchant toi aussi. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça reviendrait au même. Bon, peut-être que du coup, vu que tu lécherais plus de parties, tu perdrais plus au final. Après, à voir ce qui est le plus rentable, est-ce que les gouttelettes apportent plus que ce que tu vas perdre en salive? Ça, j'ai pas assez de connaissances là-dedans pour m'avancer, et je pourrais pas m'avancer là-dessus. Bah après, se lécher, c'est surtout un moyen de renouveler l'eau, parce que l'eau dans la salive, elle est là, tu sais, elle est utilisée en tant que salive. Que l'eau qu'il absorbe, par exemple, elle va pouvoir être utilisée dans tous les mécanismes que le corps a besoin. Oui, c'est ça. Mmh, ok. Bah, si ça vous va, bah, on va enchaîner. Et, bah, en fait, on va même finir, puisque du coup, là, nous finissons donc cette deuxième partie consacrée à la spéculation de l'épisode. Bah, et du coup, bah, ça permet, entre guillemets, de conclure. C'est un peu notre mot de la fin. On va pas s'étendre sur le côté, voilà, contrairement à l'épisode précédent sur la transmission du savoir, par exemple, parce que, bah, grosso modo, les problèmes systémiques sont les mêmes. Ils sont, bah, concernant la spéculation, ils sont, à mon sens, plus présents dans l'épisode. Enfin, c'est un ressenti. Et c'est peut-être vrai. C'est vraiment dommage, car il y avait quand même de bonnes idées dans l'épisode, même en termes de spéculation. Mais il y a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop de cette spéculation, et... Parfois, il y a vraiment des choses complètement aberrantes. C'est vraiment dommage. C'est grosso modo ce qu'on en retire de notre conclusion. Malgré quelques bonnes idées de scénographie, même de mettre en scène les déserts, c'est plutôt sympa. Je vais quand même vous demander, qu'on se prête au même exercice que l'autre fois, de donner des notes à l'épisode, à tour de rôle. Je propose qu'on commence par Karcha. Tiens, quelle note tu donnerais à l'épisode? Quel serait ton avis du coup? Maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment tu jugerais pour mettre cette note justement? Alors j'ai une question avant. Est-ce qu'on fait deux notes comme ce que certains ont fait au premier épisode, ou alors est-ce qu'on fait une note globale? En fait, les deux notes qu'ils avaient fait, séparer le fond et la forme et le fond. Ouais, ensuite on regroupait et on mettait une note. Deux notes sur 10 qui regroupent en une note sur 20. Ouais, c'est comme ça que j'avais fait, moi, je me souviens, mais je sais pas. Enfin, tu peux faire, fais comme tu veux, le sens. Mais l'important, c'est que tu donnes une note finale, quoi. Enfin, moi, je veux juste une note finale de ce que tu penses, quoi. Ok, alors sur le fond, ça va être simple, je mets 1, voilà. Parce que il n'y a pas grand chose à en retirer. C'est pour moi. C'est même pas un documentaire. Je suis énervé, je vais essayer de me calmer parce que ça m'énerve de voir des choses comme ça et de voir les gens qui la reprennent en l'imposant comme vérité générale parce que il y a David Attenborough ou alors parce que c'est fait par la BBC. Je m'en fiche, ça peut être fait par n'importe quel autre, ça ne changera rien au contenu de l'épisode. Il n'y a pas grand chose à en retirer. Les quelques choses niveau fond qu'on peut retirer, bah, c'est le fait que ouais, les carnivores sont assez bien représentés dans leur comportement, même si. Voilà, il y a le point de l'oasis qui bloque un peu pour certains paramètres, mais tout le reste, il n'y a rien à retirer. La forme, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'épisode précédent, même si c'est un peu moins beau. Mais je trouve que c'est à peu près compensé par les designs des animaux qui sont peut-être un peu
plus travaillé. Donc je mettrais un 9 sur 10 pour la forme et un 1 sur 10 sur le fond, donc ça ferait 10. Par contre, en globalité, je suis limite à deux doigts de retirer un point, mais non, je vais laisser 10 parce que c'est, à mon sens, pour l'instant, le pire. J'espère qu'il ne sera pas dépassé dans la médiocrité parce que sinon, ça va être compliqué de sauver quelque chose du documentaire. Mais voilà, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est donné dans ce documentaire, même si c'est joli, parce que contrairement à ce que quelqu'un m'avait dit un jour, c'est pas parce que c'est joli que c'est vrai. Bien au contraire pour ce documentaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai détesté l'épisode, donc je mets un 10, contrairement au 13 que j'avais mis pour le dernier. Donc quand même, ça commence à faire beaucoup pour Historic Planet. Point positif, David Attenborou se tait un peu plus. Donc voilà, allez, c'est pour ça que je rajoute 10, sinon j'aurais mis 9. Ok, ça me semble ça me semble cohérent hein, comme avis, évidemment. Et donc la note associée, évidemment. FL, quelle note tu donnerais, toi? Bah, pour le fond, j'ai plutôt faire la forme. Vélociraptor très beau, Tarbosaur très beau, Dragnotus ça passe, Mnonicus, bah, la chouette effraie, c'est une hérésie, enfin ça n'a pas de sens, c'est le speed, j'ai déjà dit. Donc c'est pas ouf. Bon, et les autres, sans être méchant, mais c'était un peu Adrosaur random, hein, la manière dont ils étaient représentés. Pour la forme, je vais partir en lui donnant... je vais lui donner 12. Ah non, c'est sur 10, il faut le 10. C'est sur 10, ouais. Mais 12 sur 10, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, bon alors, allez, alors je vais lui donner... ça va rabaisser les choses. Je vais lui donner... 6, parce que vraiment, le Mnonicus, c'est pas possible. Je m'étais prêt, c'est vraiment pas possible. 6 pour la forme. Alors, pour le fond. Moi, j'ai pas aimé le côté melting pot, en fait, entre mettre des animaux de Nemect dans ce qui est l'environnement de Diakota. Bon, c'est certainement mal. Voilà, géologiquement, ils ont mélangé deux formations. C'est pas pareil, hein, Nemect et Diakota. Même si, alors, apparemment, pour certains auteurs, géologiquement, si, ça serait la même zone. Mais pour l'instant, c'est pas encore montré. On serait plus vraiment sur deux zones différentes. Donc moi, je n'excuse pas en fait ce mélange. Justement, on a mélangé des animaux qui n'auraient pas dû être là dans ce type d'environnement. Donc ils n'étaient pas à leur place. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Mnonicus, donc la carte mentale. Pourquoi vous avez fait ça? C'était quoi le problème là? Qu'est-ce que vous en savez que ça se passe comme ça? Voilà, le Tarbosaur qui s'approche du point d'eau, là vous auriez pu faire un truc naturel, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est raté. Pas grand-chose à sauver. Ouais, les Dragnotus entre les bouboules et la façon dont ils se battent les mâles, ça pareil. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, je vais jouer franc jeu. Les autres ils se repèrent avec les étoiles. Allez, ça peut marcher, ça peut être problème. Allez, un point. Non, rattrapage, là, tu rajoutes des points. Le Vélociraptor, il chasse tout seul, même s'ils disent qu'il chasse en meute, donc j'annule le... Enfin non, allez, je mets 0,5 pour ça. Attends, ta colère, vas-y. Ah non, mais j'y vais, attends. Ouf. Attends, ça va, ça arrive tout seul. Essaye de sauver. J'essaie de sauver les meubles, là. J'essaie d'aller racler ce que je peux, là, pour le fond. Si, FM, mais les oiseaux, oublie pas les oiseaux. Ouais, les ptérosaures, comme l'a très bien expliqué Nico, pourquoi l'avoir montré comme ça? Allez, je vais remettre 0,5 pour les ptérosaures. Non, parce que quand même, ils sont là, il y a l'idée du dimorphisme sexuel, allez, ça va, mais bon, après, le côté surpoussé dans la... Enfin, la façon dont c'est narré, en fait, what the fuck, là, encore une fois, c'est ça, en fait, la façon dont c'est narré et d'où il sort le fond, là, ça casse tout. Bah, en fait, je crois que je peux pas aller plus loin, je crois que j'ai raclé là tout ce qu'il y avait à racler dans l'épisode. Donc, ça fait 2 pour moi, du coup, pour le fond. Et la forme, j'avais mis combien? 6. 6, ouais, donc ça fait 7. Bah... Ah non, 8. Il a égaré la moyenne, voilà. Ah, je croyais que t'avais mis 1, donc ouais, ça fait... Voilà, 8 sur 1. C'est tout, hein, c'est un autre côté, c'est vrai, hein, c'est... Ah, mais déjà, de... voilà, moi, le fait qu'ils aient mélangé deux formations, déjà, au revoir. Ouais, là, c'est vrai que c'est bon. Pour moi, c'est bon, ça perdait de suite, là, c'est bon, on peut pas avoir la moyenne pour le fond, c'est pas possible. Je retire un point, je mets 9, du coup.
J'avais la première, ah ouais. Mais ça fait 9. On peut pas revenir sur sa note. Hein. Non, mais oh. Ouais, je mets l'influence, tu me sens que ça fait changer d'avis là, c'est pas bien. Et toi, Nico, qu'en penses-tu? Quelle est la note que tu donnerais? Je vais parler dur. C'était le pire hein, pour moi, le pire épisode que de toute la série. Que ce soit en termes de ce qui m'a finalement été montré. Donc Dreadnoughtus, moi déjà dans le trailer, les ballons sur Dreadnoughtus, j'étais en mode ouais non, ça va pas le faire. Et maintenant pour après avoir vu la suite, ok il y a le point d'eau, c'était cool. Le reste, ça m'a pas parlé, clairement. Encore une fois, alors moi, je suis assez présent sur Twitter, du coup moi je constate ce qui l'impact du docu sur les gens de la communauté paléo. Et clairement, cet épisode a quand même des résultats, ma foi, désastreux sur le cerveau des gens. Que ce soit le barbarie d'Activist ou le Dreadnoughtus avec ses ballons, encore une fois, que je vois de plus en plus représenté sur l'animal. Non merci, c'est pas cool. Donc globalement, moi je mettrais à peu près la même note que Karcha, un 10. Et je dois quand même dire quelques bons points. Déjà le point d'eau. David Attenborough qui parle beaucoup moins. Moi il m'a saoulé, David Attenborough. moi il m'énerve. Et quand même un 0,1 parce qu'il y a un didgeridoo dans la soundtrack de cet épisode. Et bon, moi, australien, ça me parle. Le 0,1 point là. Ah, donc comme quoi il faut mettre. Si on met 10 didgeridoo dans la soundtrack, normalement j'ai ça devrait monter un point du coup. Non, tu peux copier. Ah non, ça compte pas. Ah non, ça compte pas. Ok. Ah, dommage. Bon, j'allais donner un tips, mais bon, tant pis. Et toi, Venna, du coup, bah pour terminer, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, quelle est ta note? Mais t'as donné ta note toi déjà ou pas? Le meilleur pour la fin. Ah oui, voilà, c'est Edouard l'animateur. Ne t'occupe pas de ça, réponds à la question. Mais c'est parce qu'il a dit que c'était, il a dit que c'était pour la fin. Du coup, en combinant la note de forme et de fond, j'arrive à un malheureux 10. Je pensais remonter un petit peu en me concentrant sur les avantages et sur ce que j'avais aimé. Mais au final, il y a beaucoup de trucs dans la forme qui... Enfin, la forme n'est juste pas cohérente avec le fond, parfois. J'ai l'impression que c'est surtout ça le problème dans Prehistoric Planet, c'est qu'on prend des animaux disparus, on leur donne des comportements d'animaux actuels bien connus, et paf, ça part à l'écran avec de jolies images. C'est pas comme ça que c'est censé marcher. Enfin, on connaît pas mal de choses sur des comportements d'animaux disparus, et des trucs vachement originaux, et des trucs qu'on n'a pas... actuellement, alors ça aurait été bien de représenter ce genre de choses parce qu'on a des preuves de certains comportements comme ça et pas besoin de spéculer quand on peut pas le convertir en comportement d'animal actuel. Allez, je mets 10,5. Ouais, bah c'est compréhensible. Bah, du coup, c'est vrai que j'ai oublié de donner ma note. Moi, ma note, c'est la même chose. Bah, pour la forme, l'autre fois je lui avais excusé, j'avais dit 10 sur 10. Là, non, j'excuse pas parce que le phénomène narration un peu trop didactique là est vraiment plus présent à mon sens que dans l'autre. Donc, je suis obligé de descendre à 9 sur 10. C'est vraiment. Ça me gêne beaucoup. Pour le fond, je vais dire entre 1 et 2 sur 10. Très franchement, je salue la tentative, hein. Bien essayé, mais c'est raté. C'était tout. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je mets 1,5 parce que j'aime bien le cowboy, comme dirait FL. J'aime bien le cowboy qui arrive dans le salon. Voilà. Et encore, c'est même pas c'est même pas du fond, hein. Ça, c'est juste parce que j'ai bien aimé. C'est tout. C'est le comportement à peu près le moins aberrant de l'épisode. Et ce qui est fou, c'est que personnellement, en termes de ressenti, voilà, j'ai quand même bien aimé l'épisode. Peut-être grâce à cette scène aussi, hein, c'est peut-être parce que cette scène m'a marqué comparé aux autres. Mais oui, je suis obligé de lui mettre une note bien inférieure à l'épisode précédent. Et donc, ouais, je vais mettre 10,5 sur 20. C'est pas... C'est ouais, comme Vena, il y a trop de trucs qui vont pas dans le fond. Et j'espère, hein, comme les autres ont dit en disant ouais, ça va être pire, etc. J'espère que dans les suivants, ce sera pas de cet ordre-là, parce que c'est assez décevant, c'est vrai. Bon, et c'est ainsi que s'achève notre épisode de Parlons peu, parlons pâle sur l'épisode désert. Edouard, moi j'ai une dernière remarque, je peux la dire. Vas-y, donne ta remarque. Imaginons, là je vais faire des spéculations. Regardez, c'est de la bonne spéculation, prenez-en de la graine, préhistorique. Ouf. Imaginons, ils avaient assumé le fait que c'était de la spéculation, ils auraient dit clairement, il n'y a aucune preuve, mais c'est un choix artistique fait par notre équipe. Est-ce que votre note aurait augmenté? Est-ce que vous l'auriez mieux apprécié l'épisode? Ouais. Oui. Oui, globalement.
C'est une justification de parti pris, donc pour moi, oui, voilà, du moment que tu justifies un parti pris, déjà ça passe mieux, même si après c'est pas cohérent, c'est pas logique, tout ce qu'on veut. Du moment que voilà, c'est assumé, justifié et présenté aux gens, pour moi c'est plus valorisable. Au contraire, là, non, mais c'est bon, c'est scientifique, non. D'accord. Et vous auriez donné quelle note à peu près les... Enfin, vous auriez beaucoup remonté votre note ou alors ça serait quand même resté dans les mêmes eaux? J'aurais peut-être mis 12. Entre 10 et 12, ouais. J'aurais dit pareil. Très franchement, j'aurais mis 16. Wow. Si franchement t'assumes très correctement que c'est des partis pris, qu'il n'y a aucune source derrière et que c'est juste voilà une vision interprétative de ces animaux, ok, 16. Les 4 points qui manquent, c'est des détails de forme pour moi, peut-être même réalisme de comportement, hein, quand bien même t'as de la spécu. Mais ouais, sinon ouais, 16. Mais évidemment, c'est un oui mais, c'est-à-dire qu'il faut que le documentaire assume clairement, pleinement, que c'est pas sourcé, que ce qu'il dit c'est des hypothèses interprétatives, que voilà, là, quand on parle du Barbaridactylus, du Mononychus, etc., c'est faux. Enfin, voilà, quoi, ça n'a aucune preuve tangible, c'est juste pour faire un beau truc. Ok, c'est du même niveau qu'un film pour enfants, par exemple, pour moi, et comme les images sont vraiment très belles, bah... 16, ouais, ça me paraît bien. Ok, pour ceux qui se demandent pourquoi je pose cette question, c'est pour vous montrer pourquoi on a vraiment pas aimé l'épisode et si c'est pas assez bien transparu dans les podcasts qu'on fait. Sans ces spéculations, le documentaire aurait vraiment gagné en qualité. Donc nous, c'est vraiment ça qui nous dérange, c'est pas tellement le fait qu'ils prennent des libertés, c'est le fait qu'ils ne l'assument pas et qu'ils ne le disent pas. Voilà, c'est juste pour clarifier la situation et expliquer un peu les notes qu'on a chacun pu mettre. Et ben voilà, c'est une parfaite conclusion pour cet épisode. Je vous remercie bah, tous d'avoir participé. On se retrouve du coup bah, pour l'épisode 3. Est-ce que Nico, tu pourrais nous rappeler comment ça s'appelle justement ce troisième épisode? En effet, je peux le faire car ça va se passer chez moi cette fois-ci, sur ma chaîne à moi. Et c'est l'épisode Freshwater, donc les cours d'eau, eau douce. Ça va parler de marais, ça va parler de rivières, ça va parler de fleuves. Ça va être chez moi, voilà. T'as vu David Attenborough sur ta chaîne, incroyable. Il y a des choses, Karcha, des choses étonnantes qui arquivent. Quelque chose nous manque sur notre belle planète. Voilà, voilà, il nous manque des choses sur notre belle planète. Des animaux disparus. Sur ces belles paroles, eh bien, nous souhaitons donc bah, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne continuation. À la prochaine sur nos chaînes, etc. Bah, je vous dis bah, à bientôt et à la prochaine. À plus. À plus.